Salut à tous, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo retour de brocante, allez, les deux dernières de la saison 2023-2024. Parce que moi je fonctionne comme l'année scolaire, hein, c'est-à-dire qu'en septembre on repart sur une nouvelle saison. Et donc là, c'est les deux dernières brocantes. Alors, celle-ci que je vais vous présenter en premier, c'est la brocante de la semaine dernière. Allez, on commence tout de suite avec ce cactus Citroën. Avec un joli vert jaune. Bon, il y a un petit problème de train arrière, il va falloir que je fasse quelque chose. Ensuite, on continue avec une Citroën, encore une fois, XM. Alors, ces deux-là, je ne sais pas si je vous les avais présentés. Parce que je les ai depuis un petit moment, mais elles étaient mal rangées. Donc je les mets avec la brocante de la semaine dernière. Mais ça date d'un petit peu avant. Voilà. Elle a un ouvrant. Mais c'est pas du Made in France. Allez, ensuite. Hop. Un joli modèle de Mercedes 300 TE avec un bleu ciel, plutôt une belle couleur. Bon, celle-ci elle est en état de jeu. On continue avec une Renault 25 en vert clair. Alors, je l'ai prise parce que je crois que je ne l'ai pas dans cette couleur-là. Malheureusement, elle n'est pas en super état. Pour les prix, je ne sais plus. Parce que là, ça date d'il y a une semaine et du coup, je ne sais plus. C'est du Made in France, ça fait plaisir. Alors ensuite, encore une autre Renault 25. Très sympa cette voiture. Et c'est aussi du Made in France. On continue avec ce camion Pinder. Voilà, camion publicitaire. C'est celui qui va dans les villes. Je ne l'avais pas, enfin je l'ai eu en meilleur état et puis je l'avais revendu. Donc là je l'ai repris. Ensuite on va continuer avec une très jolie Mercedes. C'est une 190 2 litres 3 essence grise avec l'intérieur rouge, elle n'a pas son monogramme, enfin son étoile sur le capot, et c'est du Made in Thaïlande. Allez, à suivre un 4x4. Un joli petit 4x4. Il n'est pas tout à fait complet, il lui manque un phare. Un phare d'éclairage sur le pick-up à l'arrière. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-dessus? International Fondation. Ah oui, c'est un truc pour les rhinocéros. Et ensuite, un petit modèle sympa que j'ai échangé parce que le mien était complètement cassé. D'ailleurs, le mien, il est parti dans un lot il y a un moment. Il était écrasé, le pare-brise était cassé. Donc là, je l'ai retrouvé en état un peu mieux. Toyota Hilux avec pareil son ouvrant. Et cette déco, c'est 1983, je crois.
Hop. Suivante. Une pro stock car. En bon état. Alors j'en ai déjà une comme ça. Faut que je regarde, mais je crois qu'elle est beaucoup moins bien la mienne. Donc bon là je vois que la lunette arrière est fendue. Donc je verrai laquelle des deux je garderai. Si c'est celle-ci ou si c'est l'autre. Elle a les grosses roues. C'est du made in Thaïlande. Allez, une petite bizarrerie avec cette 405 T16 ou MI16, je ne sais plus. Celle-ci que j'ai déjà deux fois, mais je ne l'ai pas avec. Donc c'est une T16. Je ne l'ai pas avec les pare-chocs bleus. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça. C'est bizarre, ça fait une variante. Bon, je trouve que ça va, lui va pas super bien, mais ça change des modèles classiques avec les pare-chocs jaunes. Et ensuite, une jolie Porsche rouge rubis. Bon, celle-là, je sais que je l'ai déjà. Je suis en train de me dire que c'est un lot que j'ai acheté dans une brocante, ça. Ou dans une brocante permanente, je sais plus. Oh, je sais même plus si j'ai fait un vide-grenier la semaine dernière ou si j'ai fait un vide-grenier permanent. En tout cas, ça reste un petit achat sympa. Allez, encore un beau modèle de 405. Version chrome, chrome bleu, elle est en bon état. Bon, il y a des pètes de peinture, évidemment. Celle-ci, elle a bien joué. Hop, on continue avec ce Toyota Runner. Alors les 405, c'était non, c'est pas du made in France, non. La Porsche, c'est une made in France. Et celui-ci, je ne pense pas. Je crois que c'est un modèle de 94, ça. Non, ouais, c'est ça. C'est pas du made in France. Alors ensuite. Ce camion grue, alors malheureusement incomplet, mais je l'ai pris parce que celui que l'autre que j'ai n'a pas ces couleurs là. Moi, le mien il était que je vois d'ici vert et orange, et en plus, j'avais pas de sticker dessus. Donc, celui-là il est sympa aussi. Voilà, il a sa grue et il lui manque son crochet. Malheureusement, bon, ça à la limite, ça peut se bricoler. Allez, une petite voiture encore en état de jeu. Pontiac Firebird. Celle-ci, je l'ai pris, je l'ai déjà, mais la mienne, elle a le pare-brise éclaté. Donc, je vais la remplacer avec celle-là. Allez, un joli modèle. Joli modèle de fourgon bancaire. Alors pareil, je crois que je l'ai déjà, faut que je vérifie. Mais celui-ci, il a sa porte arrière complète. Son pare-buffle devant qui est intact aussi. Et c'est du Made in France. Donc ça, c'est plutôt cool. Avant-dernière pour ce lot de la semaine dernière. Ce Ford modèle A en publicitaire, il est assez courant à trouver celui-là.
Salon de l'emballage 1992. D'ailleurs, on les trouve assez souvent. Ils sont emballés dans un espèce de pot de yaourt. J'ai eu l'occasion de le prendre une fois en neuf et je ne l'ai pas acheté parce qu'il était à 15 euros. Ça me paraissait un peu cher pour ce genre de voiture. J'ai dit que je le retrouverais bien en occasion. Voilà, c'est fait. Et hop, un petit véhicule qui traînait aussi là depuis 2 semaines, je crois, celui-là. Il est arrivé dans un lot. Un petit néoplan tout blanc. Alors tout blanc, mais il y a des traces de stickers. Il y a de la colle. Donc il devait avoir des autocollants. Je pense que c'est un ancien Air France. Je suis pas sûr, mais bon. Un de plus. Allez, maintenant on va commencer la brocante de cette semaine. La brocante de ce matin, voilà. On commence avec ce Scania. Très joli Scania. En bon état. Pas de remorque pour celui-ci. Il a son ouvrant. Il n'a pas ses rétros, malheureusement. Même la peinture est plutôt propre. Donc voilà, ça se prend en stock. Ça peut toujours dépanner. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Une voiture que je ne connaissais pas. Donc celle-ci, je suis sûr de ne pas l'avoir. Il s'agit d'une Ford. Allez, vu les feux arrière, je dirais une Fiesta. Rally WRC ou Rally Red. Sponsorisé par Abu Dhabi. Castrol. Castrol Edge. Je crois même qu'il y a les noms des pilotes dessus. Évidemment, c'est écrit tellement petit que c'est pas trop lisible. Et même en dessous, on voit qu'elle a bien roulé parce que on n'arrive même plus à lire ce qu'il y a de marqué. Moi, j'arrive pas à lire. Je sais pas si vous y arrivez, mais alors déjà, je suis pas dans le bon sens, ça aide pas. Ford, bon, je crois que c'est Fiesta. Hein. Voilà, pour ce modèle qui a bien servi. Alors, un petit espace Novacar. Il était pas cher celui-là, il était à 1 €. Ouais, j'ai dit, ça se prend. Il me semble que je l'ai déjà, mais c'est pas très grave. Ah, j'avais pas vu, il a son train arrière qui est tordu. Ça, c'est dommage. Bon, hop, voilà, quand on le remet en place, ça se voit plus. Et on a un châssis en alliage avec une carrosserie plastique. Et c'est le numéro 110. Alors ensuite, un petit... un petit GMC, mais je sais pas pourquoi je l'ai pris celui-là, parce que j'ai pas de remorque pour aller avec. Bon, bah je l'ai pris ma foi. Ah oui, c'était pour faire un lot. J'avais un lot à faire 5 voitures pour 1 €. Donc j'ai pris un peu ce qu'il y avait. Dans ce lot, il y avait la Ford Focus. Il y avait donc ce GMC. Il y avait cette petite Yaris. Au départ, je voulais prendre juste la Ford Focus, mais bon, voilà, ça a fait un lot. Hein. Donc, petite Yaris, celle-là, elle n'a pas le système pour ouvrir le capot par le dessous, mais elle a son ouvrant. Et dans ce lot, à 1 €, on avait une Twingo. Alors, plutôt rare en blanc. Enfin, je suppose, parce que moi je l'avais jamais vu en blanc, hein. Je le vois en bleu, en vert, mais en blanc, non, j'avais jamais vu encore. Je pense pas qu'elle ait été repeinte, et elle n'a pas été ouverte.
Bien sûr, c'est pas du Made in France, puisque c'est de 94. Voilà. Et dans ce lot, on avait aussi, voilà, là c'est 3 pluriels. Alors celle-ci, de mémoire, je ne l'avais pas. J'ai dû l'avoir, j'avais au début de ma collection. Et j'ai dû la revendre, je pense. Parce que là, j'ai regardé, je ne l'ai pas. Voici pour ce modèle. Ensuite, j'ai pris celle-ci sur un stand. Elle était à 1 euro. Alors pareil, je l'ai pris parce que je pense que la mienne, elle est abîmée. Je vais vérifier. J'espère que je ne l'ai pas pris pour rien. Alors celle-ci, elle n'est pas nickel, mais il me semble que la mienne, elle est vraiment beaucoup plus abîmée que ça. Alors je confonds peut-être avec celle qui a des autocollants, parce que j'en ai une qui a des autocollants aussi. Alors pour faire un autre lot à 1 euro, j'ai pris deux véhicules, donc cette remorque super cargo. Ça, c'est toujours bon à prendre, ça mange pas de pain. La bâche, elle est en super état. La remorque aussi d'ailleurs. Voilà. Donc ça, ça va avec un Ford. Un Ford qui a une remorque comme ça. Et qui est de cette couleur-là, évidemment. Il existe aussi en blanc. Et pour compléter le lot, j'ai pris celle-ci. Bon, voilà, c'était histoire de dire de la sauver. Qu'elle aille pas en déchetterie. Il faudra que je retrouve une porte d'occasion. Ça, c'est une couleur qui est sympa en plus sur la Mercedes. Je sais que j'en ai déjà deux de cette couleur-là. Celle-ci, elle va attendre une restauration. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on n'est plus sur du majorette. J'ai pris ça, c'était 50 centimes. C'est un petit tramway. Voilà, petit tramway allemand de la ville de Dresde. Alors, il lui manque ses pantographes. Enfin, je crois qu'il y en a qu'un, là-dessus. Et l'échelle, je sais pas, ça doit être du 100, un truc comme ça. Voilà, donc ça, ça va aller dans la collection de bus et de tramway. Et dernier véhicule, hop, je suis obligé de prendre le téléphone parce qu'il est trop gros pour le plateau. Voilà. Il y avait trois caisses devant ce stand. Il y avait une caisse où il y avait des poupées, des machins, des petits bidules de gamins. Il y avait une caisse où il y avait cette remorque. Et une caisse où il y avait deux tracteurs. Donc il y avait le Scania jaune et celui-ci. Et bon, je vois la remorque, je me dis, oh, c'est con, il n'y a pas le tracteur et tout. Bon, je vais dans l'autre caisse, je dis, bon, là, il y a deux tracteurs. J'ai regardé vite fait sur internet, j'ai cherché camion de travaux publics majorette et j'ai vu que ça c'était un ensemble en fait. Au vu des petits trous, je pensais pas, mais voilà, c'est le camion qui va avec. Et dessus, normalement, je vais vous montrer ce qu'on met. On met. Alors dessus, on fait comme pour cela. Hop, là ça focus pas. On met un rouleau. Alors c'est ça que j'ai pas acheté. J'ai pas acheté un rouleau jaune et un. Alors j'ai celui-là. Mais il me manque un rouleau jaune pour mettre avec. Celui-là il est pas en super état. Peut-être en mettre un autre. Ouais, celui-là il est pas tellement mieux. Il va falloir que je renouvelle mon parc hein, parce que là, on est un peu sur des vieilleries là. Hein. Est-ce que j'en ai pas en meilleur état quand même que celui-là?
Ouais, ils sont tous à peu près abîmés pareil. Hein. Eh ben, on va mettre celui-là. Et puis, il faudra que je trouve un rouleau jaune à mettre dessus. Ah non, j'en ai un qui est mieux, là. Ah, celui-là, il est en bon état. Voilà. Hop. Et voilà. On a déjà un. Et il faudra qu'à l'arrière, je mette un rouleau. Alors, est-ce que c'est prévu pour... Non. Faut pas passer l'arrière dedans. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse avec cette image et je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine. Passez une bonne fin de week-end. Allez, à bientôt, ciao.